Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour ce nouveau Shabada où j'ai le plaisir de recevoir Lara Fabian, bonjour. Michel Cubin, bonjour. Et San Severino, bonjour. Et puis bien sûr, vous savez maintenant, un dimanche sans Jack Pessis, c'est un peu comme un dimanche sans poulet. Il est là. Bonjour, merci de m'avoir pris sous votre aile. Et il va nous raconter toutes les histoires des chansons. Alors, Lara a choisi Dalida. Oui. Qui est aussi sur ton album Toutes les femmes en moi. En effet. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré, que tu as beaucoup écouté. Oui, surtout étrangement après son départ. Moi, c'est vraiment c'est le geste qu'elle a fait qui nous a fait la perdre, qui a été un peu le déclencheur. Oui, un choc et puis le déclencheur de toutes les raisons qui me font l'aimer. C'est étrange à dire, mais quand quelqu'un se commet dans un geste comme ça, on se demande vraiment pourquoi. Alors on recherche au travers de sa musique, de son art, de son être. Et elle est un peu devenue un garde-fou en ce sens pour moi. Bah, on va t'entendre tout à l'heure chanter Dalida. San Severino, c'est Bernard Lavilliers. Alors lui, c'est carrément un ami, un maître, tout, non ? Non, pas tant que ça, je le connais. Mais moi, j'ai pas de maître. Moi, c'était les maîtres, c'est ni Dieu ni maître, c'est trop chiant. Mais oui, ça fait partie des chanteurs que j'aime beaucoup. Et voilà, il y en a plein, hein, j'arrive pas à me fixer sur un ou deux. Et puis ouais, j'aime bien les histoires qu'il raconte. J'aime bien sa période un peu jazz rock là. J'ai vu que c'était tout un même album d'ailleurs que tu avais choisi dans tes chansons. Je crois que c'est le premier album que j'ai acheté avec mes vrais sous à moi. Et que tu as écouté en boucle. Et puis que j'ai écouté très longtemps. Et Michel, c'est Yves Montand. Yves Montand, c'est ma toute jeunesse, l'enfance quoi. J'ai connu Montand à 10 ans, il y avait les disques de Montand à la maison, ça doit être le premier que j'ai vu sur une scène. Et une grâce sur scène hallucinante, on verra tout à l'heure quelques images où on le voit danser sur scène, c'est carrément magique. Lara, alors Dalida, premier titre choisi, c'est aussi d'une certaine manière pour nous qui sommes là et qui faisons de la chanson le dimanche, un hommage à Pascal Sevran puisque il venait d'avoir 18 ans. D'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a Tu disais, Lara, tout à l'heure que il y avait une énigme un peu Dalida pour toi et que tu la comprenais un peu mieux à travers ses chansons. Est-ce que tu connais l'histoire de cette chanson-là ? Alors, je connais l'histoire de cette chanson-là, c'est une histoire véritable. Exactement, c'est l'histoire d'une femme mûre avec un jeune homme, c'est la sienne. On est en 1969, elle reçoit chez elle, dans sa maison de Montmartre, un petit jeune homme qui a 15 ans de moins qu'elle, qui s'appelle Lucio, qui vient de Naples. Oui, bien elle sûr. Tombe amoureuse de lui et elle va tomber enceinte de Lucio. Et elle ne va pas garder l'enfant parce qu'elle estime que ce garçon est trop jeune pour élever cet enfant. Et ça, c'est son vrai drame. Et le vrai drame, c'est qu'ensuite, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Exact. C'est la véritable histoire de cette chanson. Alors, il sait tout, Jack. Il sait même que tu as écrit pour Dalida quand tu étais aux éditions Barclay. Je suis même allé chez Dalida. C'est un souvenir inoubliable. Raconte. Je suis allé dans cette maison de Montmartre. Rue d'Orchamps. Oui, magnifique. Je suis monté, je me suis trouvé en face de la diva extraordinaire. Elle a écouté la chanson, elle a aimé ça. Et je me souviens très très bien, il y avait son frère qui est venu, Orlando, qui venait comme ça, il passait. Et il a dû énerver un peu sa sœur et Dalida dit « Oh Bruno !» Et l'autre a fait « Ne m'appelle pas Bruno !» Moi, je l'avais rencontré. Comme ça que j'ai su qu'Orlando s'appelait Bruno. C'est son vrai prénom. Sur scène, elle était extraordinaire, Dalida. Je ne sais pas si l'un de vous l'a vue sur scène, peut-être Michel. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'était quelque chose d'impressionnant ou ça se passait... C'était très fille, quoi. Ça veut dire quoi, très fille ? Bah, y a des spectacles de filles, quoi. C'est une femme. Tout ça était dans le très, très le costume, le machin, le glamour. C'était une diva, elle arrivait avec les chavales et tout, les machins. Et chose que personne n'avait fait avant elle. Ouais, sauf que pour ma génération, qui arrive quand même pas mal derrière,
C'était un peu chawa, c'était une meneuse de revue au Palais des Sports. C'était une véritable revue. Elle a été la première à faire un récital complet de ce genre à Paris au Palais des Sports en 1978. Et je voudrais qu'on la voit parce que ces images, elles sont quand même assez magiques. Chaque fois qu'on les voit, ça fait un petit truc dans le cœur. Elle chante Gigi Lamoroso. C'est dans une émission de 1974 qui s'appelle Domino. Giorgio a la guitare, Sandro a la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Il y a une anecdote extraordinaire à propos de cette chanson. Elle est à Montréal, à la Place des Arts. Et dans le moment où elle parle et où elle dit « Mais Gigi, ma qu'est-ce que tu fais là-bas dans le noir ?» Il y a un mec dans la salle Place des Arts à Montréal qui fait « Cherche mes clés !» Et là, je vous jure, c'est vrai, c'est les musiciens qui me le racontent. « Cherche mes clés !» Et là, tous les musiciens en larmes, impossible de reprendre, et elle aussi, et puis la salle était debout, enfin voilà. Et elle a un humour extraordinaire, parce que ça l'a pas du tout déconcerté, elle a réussi à passer au travers. Mais Jack, les chansons de Dalida, elles ont fait le tour du monde, évidemment. Il y en a une qui a même été mythique pour la paix. Dans cette langue, il y a une chanson qui est un hymne national, au Liban, en Égypte, en Jordanie et en Irak. Salama. Exactement, on est en 1977, et il y a les accords de Camp David qui se préparent, et le président Sadat est reçu à Tel Aviv par Menahem Begin. Et l'aéroport Ben-Gourion, l'hymne qu'on va chanter, c'est cette chanson, Salma Ya Salama. Et plus tard, Dalida est reçue par le roi Hussein de Jordanie, qui dit « Vous êtes la fierté du Moyen-Orient ». Et toute la famille autour du roi Hussein chante cette chanson, Salma Ya Salama, qui est un hymne national au Moyen-Orient. J'en profite pour saluer tous ceux qui au Moyen-Orient nous regardent aussi dans Shabada. Les mains dans le noir, plutôt dans la lumière. C'est pas Gigi qui arrive, mais Nathalie Lhermitte pour continuer à évoquer Dalida. Bonjour à tous. Et bonjour Nathalie. Bonjour. Alors je sais que vous aimez tous Nathalie ici. Hein. Vous êtes des fans de Nathalie Lhermitte. La première chanson. Ah, c'est Parole. Adaptation d'une chanson italienne, interprétée par une très très grande chanteuse à l'époque italienne des années 70, qui s'appelle Mina. Et il se trouve que cette chanson, au départ, quand elle veut faire la traduction française, elle pense à Alain Delon. Ouais. Ils se connaissent depuis toujours, car quand elle arrive à Paris pour la première fois en 1955, elle s'appelle à l'époque Dalila. Son voisin dans sa chambre de bonne de la rue Jean Mermoz, c'est un jeune soldat qui arrive d'Indochine, qui est Alain Delon. Et Delon va accepter, va venir au studio. Il connaît les paroles par cœur. Il va faire une journée d'enregistrement, une journée de photos. Il n'y a pas de vidéo. Et quand cette chanson va passer à la télévision avec la voix d'Alain Delon, on voit quelqu'un avec un chapeau dans une cabine téléphonique et un imperméable, on se dit c'est Delon. Bah, pas du tout. C'est la voix de Delon, mais physiquement c'est Guilux. C'est quand même autre chose. Guilux qui fait doublure. Hein. Excuse-moi, mais tu parles de fin de la guerre d'Indochine ? Oui. En 55, Delon revenait de la guerre d'Indochine et il habitait dans une chambre de bonne rue Jean Mermoz. C'est là qu'ils se sont connus. Non, pas la chanson. La chanson, c'est non, pas 60, non, je parle de la Delon et Dalida se sont connus à cette époque-là. Ah oui. En 55, ils se sont connus, mais la chanson, mais c'est quelques après, la années chanson après. Est en 1973. Ah, oui. La chanson est en 1973. Oh, me semblait bien quand même. Alors, parole, Nathalie. Parole. Avec peut-être Michel pour faire Delon. Faire Alain Delon. Notre Guilux. Oui, je serai toi Alain Delon. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Parole, écoute-moi. Parole, je t'en prie, Nathalie.
J'étais bien. À fond, mais tu fais bien, là. J'ai adoré être de long pendant quelques secondes. Il a mis une journée pour enregistrer là, les trois mots, là. Non, mais il a fait les photos après. Commence pas à être méchant, toi. Il y a quatre phrases. Ça, Severino, on peut penser que Dalida, c'est très loin de ton univers. Non, j'ai connu quand j'étais minusculement petit. Quoi. Ouais. Personnellement, non. Non, c'était à travers la télé. C'est pas toi qui avais 18 ans. Non, absolument. Il y a des chansons qui te plaisent dans le répertoire de Dalida. Ouais. C'est Gigi pour moi, c'est Gigi. La mieux. Ouais, puis en plus on sent qu'elle est entre le premier et le deuxième degré en permanence, quoi. C'est-à-dire elle est super sincère, mais vraiment à fond. Et puis elle a une espèce de mini distance. Et ça, c'est. Moi, j'aime pas les paillettes qu'elle propose, mais l'interprétation, c'est quand même pas de la merde. D'ailleurs, je disais à Lara que la période qu'on a vue dans Gigi, c'est celle que je préfère d'Alida. C'est là où elle est vraiment... Entre 70 et 75, ouais, en gros. Bonne femme, les débuts de Dalida, c'est un phénomène. Hein. C'est même à l'époque, on parle d'une maladie en France, une bambinite. Tu as entendu parler de la bambinite? Oui, bien sûr. Oui. On est en 1957 et la France entière chante Bambino. D'où la bambinite annoncée dans les journaux. C'est un disque qui est matraqué à la radio et c'est la première fois dans l'histoire de la radio qu'on entend 10 fois par jour la même chanson. Le matraquage est venu de là. Et la chanson va rester pendant 20 semaines numéro 1 à ce qu'on appelle la Bourse des Vedettes, qui est l'ancêtre du hit parade et du top 50. Et pour la première fois, une chanteuse en France va obtenir un disque d'or. C'est Dalida. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a de jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sur ta bandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que le ciel de l'Italie. Canta, canta sur ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne prend ton bras au sérieux. On se souvient aussi de l'irrésistible interprétation de Jean Dujardin dans le premier OSS 117, si vous l'avez vu, où il chante Bambino, où absolument. Il est à tomber. Et j'ai vu que ça marchait bien sur toi aussi, Bambino. Hein. Oui, ça déclenche direct. Ouais. C'est la mandoline qui te parle. Non, c'est tout, c'est l'harmonie. Ça. Pourquoi les chansons de Dalida sont restées aussi longtemps, à votre avis? Est-ce que... Bon, il y a Orlando, évidemment, qui fait un travail remarquable. Oui, il y a Dalida aussi. Mais il n'y a pas que ça. Non, j'adore Orlando, c'est sûr. Mais voilà, est-ce que c'est sa mort tragique, justement, qui non, peut-être... Non, je crois quelque chose de profondément populaire, mais à l'âme totalement sincère. Voilà, c'est une femme qui jouait pas la carte populaire, qui était populaire. Populaire, ça veut dire être aimée du plus grand nombre et être proche des gens. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'elle a traversé le temps. Elle aurait voulu mourir sur scène. Oui. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. J'avais envie de kiffer avec Nathalie Dominique. J'ai la chance de la voir sur scène. Elle est dans un clip qui passe sur. Elle est Edith Piaf. Ouais, elle est Edith Piaf qu'elle joue et sur scène. J'ai la chance de la voir sur scène avec moi. C'est ma fête, ma fête. Profite-en, chérie, profite-en. Merci, Lara. Alors, Michel, dans un moment un peu difficile de ta vie, tu as envoyé une lettre à un certain nombre de chanteurs. Donc, confrères et consoeurs de ma génération. Voilà, oui. Des confrères, des consoeurs, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Louis Chédid, Claude Nougaro. Un paquet, oui. J'ai réalisé qu'en fait, ça avait le plus grand plaisir avait été d'être en lice avec des gens qui ont fait des chansons magnifiques.
C'est-à-dire, il y a eu une sorte de période incroyable où il y avait une quinzaine, vingtaine de personnes qui ont fait des chansons à tire-larigot et qui ont fait les décors de nos vies, des générations qui se sont succédées. C'est vrai qu'on le raconte souvent avec Jacques, mais les chansons ont un rôle essentiel. C'est Platon qui disait « Pour connaître un peuple, écoute sa musique ». C'est vrai que c'est une façon de connaître la France et ces artistes avec lesquels tu as travaillé ont meublé la France musicale de ces 30 dernières années. Ils ont fait le décor. Ouais, eux ont fait le décor en chanson, d'autres ont fait des décors avec du cinéma, d'autres ont écrit des livres. Ouais. C'est-à-dire, l'artiste pour moi, c'est pas uniquement des chanteurs. C'est-à-dire, c'est le domaine artistique et ne pas oublier que, et on peut peut-être en avoir les conséquences maintenant, c'est que toute espèce de domaine artistique, royaume artistique d'un moment et l'image exacte de la société dans laquelle on vit. Quand une société a vendu son âme aux marchands, tout le domaine artistique a vendu son âme aux marchands. C'est la même chose. C'est une sorte de caricature, de valeur absolue dans laquelle on retrouve exactement ça. Excusez-moi de vous avoir emmerdé un tout petit peu, mais... La vie, alors, c'est la vie. C'est juste ça, c'est la vie. Faut que j'aille chanter, Bah oui, chanter cette chanson de Louis Chédid, de Michel Fugain. Sur son album, bravo et merci. Michel Fugain qui sera aussi en concert à l'Alhambra du 16 au 20 mars prochain et qui est en tournée dans toute la France. Toutes ces images qu'on nous montre, ces horreurs qu'on nous raconte, ce qu'on repine est à douleur pour nous plomber le cœur. Pour toute la semaine, sans faire aucun mal à personne, non coupable mais tout comme qu'on en oublie que le monde est si beau et que l'amour est un sacré cadeau. La vie, quel joli mot, la vie. La vie, quel joli mot, la vie. À moitié vide, à moitié pleine. Tout n'est pas rose évidemment, ni tout noir pour autant. Sans mettre des œillères, on peut prendre un peu l'air, avoir envie de faire une pause, parler des belles choses, de dire tout haut que le monde est si beau et que l'amour est un sacré cadeau. Par Louis Chédid, La vie. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est bien Louis Chédid qui chantait T'as beau, pas être beau. T'as beau, pas être beau. Et là, tu chantes que le monde est beau. Alors, San Severino a choisi Bernard Lavillier. Et oui. Bernard Lavillier qui t'a fait découvrir d'ailleurs Léo Ferré, je crois. Ouais. Oui, c'est le premier. Non, le premier qui m'a fait découvrir Léo Ferré, c'est Coluche. Un jour à la télé, Coluche, il dit voilà, moi, il y a un mec que j'aime bien, c'est Léo Ferré. Et moi, ça m'a fait bizarre que ce Coluche soit... Léo Ferré, pour moi, c'était un... Je ne connaissais pas, j'ai l'impression de... Je trouve que t'as un petit air de Coluche, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Je témoigne qu'il peut aller aussi loin, absolument. Est-ce que tu connais la chanson des Fatal Picard qui parle de Bernard Lavillier? Oui, je la connais. Ouais. Ouais. Même Lavillier la connaît. Même Lavillier la connaît, elle est super drôle. Et alors, à un moment, ils disent « T'es un mélange d'Indiana Jones, de Léo Ferré et de Garcimore, mais en moins mort. »
Mais Garcimore, c'est pour la rime, parce que ouais. Bernard, il sait pas du tout Garcimore, quoi. C'est l'inverse ouais. du mec introverti, quand même. C'est vrai. Mais c'est un mec très sympa, en fait. C'est un personnage. Il a une image, Jacques, qui est un peu une image dure, je trouve, non ? Oui, parce que d'abord, c'est un garçon avec qui on peut parler pendant des heures de tout. Il a une culture incroyable sur le spectacle, sur les gens, les anecdotes, mais il est intransigeant. D'ailleurs, il dit toujours « je ne fais pas de concessions, je fais des concerts ». Et c'est sa devise. Alors, la première chanson que tu as choisie, c'est « Au Gringo ». Ouais, c'était une, ben, on en parlait tout à l'heure, c'est mon premier disque acheté. Écouté en boucle. En plus, c'était, j'ai démarré très très tard, moi, acheté des disques vers 19 ou 20 ans. Et puis lui, il propose dans cet album-là un truc assez macho quand même. Tu veux dire qu'avant, tu l'es piqué ou... Non, avant, j'écoutais pas de musique, ça m'intéressait pas. J'étais assez coupé de la musique. Ouais. Et puis là, il donne quand même l'attitude d'un mec très très macho. Donc c'est, après, moi, je suis revenu un peu sur ce truc, je trouvais... Enfin, j'étais moins d'accord, quoi. Mais là, quand même, oh, il est là, il est avec des putes, puis il s'en va le matin. Au Gringo, on est parti. Tu ne sauras pas, Criolla, que cette chanson, je l'ai composée au petit matin. En descente de ma cogna pour toi, du monde entier. Sou gringo que no fala brasileiro. Ele é gringo que no fala brasileiro. Meu teto é o céu, meu leito é o mar. T'as le rythme dans la peau, hein. Deuxième chanson, c'est Rock City. Oui. Pourquoi ? Oui, oui, là, à cette époque-là, c'est un peu ces deux tendances, quoi. Le truc un peu casse-couille, là, comme ça, ouais. Brésilien. Et puis, les trucs très rock et où il envoie. Ouais, moi, j'aime bien ces deux trucs-là. Si tu es dans la détresse, sous les autres, une gonzesse qui caresse. Qui te fait cracher tes dollars, à peu près comme moi, tu marques, c'est Kleenex. Si t'es pas loin, le tempo, elle t'éponge, et puis ciao, ça presse. New York, New York, New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York, New York, New York. On pourrait... être étonné quand on entend ça, de savoir que c'est avec Eddie Barclay que Bernard Lavilliers a commencé. Hein. Oui, Eddie Barclay est devenu le producteur de Bernard Lavilliers. Il n'était pas très intéressé par Lavilliers, lui c'était pas son style, il préférait Brel et Aznavour, mais il l'a engagé parce que Bernard Lavilliers le faisait rire. Il lui disait toujours, écoute, je vais être très clair, tu prends mes chansons, je prends ton pognon. Au moins, il n'y avait pas de surprise. C'est clair. Hein, c'est franc du collier. Ouais. Sanseverino disait tout à l'heure, il y a chez Lavilliers le côté chanson un peu casse-couille, et puis il y a le côté rock. Non, je veux dire brésilien. Oui, brésilien, c'est un pareil. Peu soft. Et donc, celle-là, Pierrot Lalame. C'est dingue. Pierrot Lalame, tu la classes comment ? Bah, Pierrot Lalame, c'est... Bah, là, c'est le côté salsa, c'est le troisième côté dont je n'ai pas encore parlé. Voilà. C'est-à-dire la salsa. Ah non, c'est grave. Rechante la main. Ça y est, sans rappel, c'est parti avec Yannick et avec tous les musiciens de Shabada. Main dans la poche de ton costard, la lame. Fais les 100 pas sur le trottoir, la lame. C'est un voyou, c'est un héros, la lame. C'est une star, c'est lui Pierrot, la lame. Au sud du Bronx, moitié cramé en Grèce. Un Manhattan riche à crever, on perce. Tu penses qu'à ça depuis que t'es né en caisse. Ce qu'ils n'ont pas voulu te donner, correct. Lara, je trouve ça très, très beau la relecture, moi, par Stéphane. C'est vrai, c'est hein, vraiment très chouette. Il
Il y a un côté Bruce Willis, moi, je trouve. Tu trouves pas? Il a un petit... Ah, parce que j'ai mis une veste entre Coluche et Bruce Willis. Non, non, c'est dans le regard. Lara, ton album s'appelle Toutes les femmes en moi. Ce sont les femmes qui t'ont inspirée. Sans mauvais jeu de mots, tous les hommes en toi, ce serait qui? Ce serait qui? Est-ce qu'il y aurait Lavillier? Daniela, sinon, Daniela, tu peux rephraser, s'il te plaît? Bravo Daniela, bravo. Là, ça ferait du monde quand tu même. Tu pourrais faire quand même un pendant masculin de cet album. Bien sûr, il y aurait pu, il y aurait eu. Alors, Lama, Hallyday, Aznavour, ouais. Michel. Il y aurait eu Michel Fugain parce que moi je l'aime. Alors, je sais qu'on n'aime pas ça les artistes quand on le sait, mais ça l'est. Mais si, j'adore ça. Mais je t'aime depuis que je suis comme ça. Mais tu le sais, de toute façon, ça fait longtemps que je te le dis. L'époque du Big Bazaar, voilà, ce mec, il a inventé quelque chose. Donc, tous ces gens qui étaient dans la création d'un univers, Beko, il y aurait eu Beko aussi dedans, voilà, par exemple. Toutes les femmes en moi, Lara, c'est le titre de ton album. C'est aussi le titre d'un inédit qui est sur l'album, que tu as écrit et composé, qui évoque toutes ces femmes qui font le monde, finalement, aujourd'hui. Complètement. Même Dieu, qui, comme chacun sait, est une femme. Toutes les femmes en moi, c'est Lara Fabian. Merci beaucoup. Merci Lara. Merci moi, ce qui m'a beaucoup plu pendant cette chanson, c'est que je voyais des hommes dans le public qui étaient là, qui chantaient toutes les femmes en moi. Et je trouve ça très sympa. Rien que pour ça, ça m'a plu. Les revanches, tu sais. Elles prennent des revanches comme ça. Voilà. Mais non. Il y en a pas. Toutes les femmes en moi, il y a Piaf aussi hein, dans cet album. Alors Piaf, Jack, il la connaît particulièrement bien puisqu'il joue avec Nathalie sa vie tous les soirs dans un spectacle remarquable que Michel a vu plusieurs fois d'ailleurs. C'est magique. J'ai vu à Montréal, oui. Piaf a été le Pygmalion d'Yves Montand que Michel va évoquer maintenant pour nous. C'est Piaf qui a fait vraiment démarrer Montand, non? Oui, on est en février. On a fait démarrer plusieurs. Oui, mais Montand, on est en février 44, il est au Moulin Rouge. Il est passé à l'Alcazar de Marseille. Donc elle le confond avec ses fantaisistes marseillais qui l'horripilent. Elle l'appelle le comique à pointe d'ail. Et il la surnomme en réponse la broyeuse de cafard. Ah bah ça commence fort leur histoire d'amour. Oui mais ça va s'arranger. J'aurais cherché une réplique aussi moi. Ça va s'arranger et elle va vraiment faire Montand. D'abord elle va lui faire disparaître ses tenues de cow-boy, ses chansons de cow-boy. Oui parce qu'au début il est très cow-boy. Ah comme bah ça, les plaines du Far West, les vestes à carreaux, les chemises à carreaux, c'est une horreur. Elle va vraiment lui trouver son style, lui trouver des auteurs et ils vont vivre une histoire d'amour qui va durer 2 ans. Et d'ailleurs Piaf dira plus tard, pour dire la force de leur amour, elle dira plus tard, quand un journaliste lui demande mais pourquoi Madame Piaf vous avez quitté Yves Montand, elle dit parce qu'on ne garde pas le soleil. J'ai pas connu le Montand à chemise à carreaux, bien que effectivement j'ai entendu dans les plaines du Far West quand vient sympathique mais un peu neuneux quand même. Oui. Et j'ai connu le Montand par l'intermédiaire de ma famille qui était très militante gauche hein, et effectivement il était le représentant d'une couche très prolétarienne, je dirais. Alors, finalement je crois que j'ai aimé les gens qui aimaient Montand. Ouais, c'est les gens qui aiment Montand vont peut-être aimer les chansons que tu vas chanter maintenant. J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars. Les étages, les loteries et les camelots bavards. Qui vous débite leur bobard. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. C'est dur à chanter en fait. Hein. Mais regarde le petit vieux qui veut chanter lui. Je voudrais qu'on regarde justement Yves Montand parler du talent et surtout danser sur scène. C'est un récital qu'il avait donné en URSS en 1957. Vous allez voir, il a une grâce infinie. À mon avis, d'abord, il y a une question de don au départ que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Si vous avez ce don, disons, qui peut s'évaluer, si on pouvait le mesurer entre 10, 15 ou 20 ou 40% de don,
n'en demeure pas moins que vous devez travailler à 60, 70, 80 ou 90%. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. C'est-à-dire que il n'y a pas de miracle et rien vous tombe rôti. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués quand ils se trouvent sur une scène devant une caméra, qui fait que, bon, ça jaillit comme ça, mais ça jaillit pas. Ça, c'est la base même. Alors Daniel Mill nous a rejoint, merci d'être avec nous. C'est un grand accordéoniste qui accompagne Michel Fugain, mais qui accompagnait aussi Barbara, qui accompagnait Maxime Le Forestier, Christophe, qui accompagnait Claude Nougaro. Je suis très heureuse que vous soyez là pour faire Saltimbanque avec Michel. C'est une autre chanson d'Yves Montand. Ils ont des poids ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. On va finir cette évocation d'Yves Montand avec un grand tube aussi qui a été écrit par Pierre Barou et Francis Lay, que je salue très chaleureusement, puisqu'on leur doit le Shabada de Shabada. Entre autres. Et cette chanson, donc, c'est une chanson que tu as choisie. À bicyclette. À bicyclette. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Magnifique. Merveille cette chanson, merveille. Merveille cette chanson. Sans Severino, j'ai vu que ce genre de musique, quand même, ça te parle aussi. Ouais, hein. Moi, c'est la simplicité de cette harmonie, puis le truc que j'aime bien, j'adore. C'est magnifique. Terrible. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Yves Montand a aussi chanté Michel Fugain. Parce que là, on voit Michel Fugain chanter Montand, mais oui. Yves Montand a chanté Fugain. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a eu Nougaro qui a chanté Fugain, il y a eu Johnny Hallyday qui a chanté Fugain, et il y a eu même récemment Vincent Delerme. On a la bande, écoutez. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, le courant. Didier Gustin, bien sûr, qui a chanté avec les voix d'Yves Montand, de Nougaro, de Johnny Hallyday, cette belle histoire de Michel Fugain. Ça va ? Et puis Coluche, qui est content aussi d'être avec son Sarrivino, parce que c'est quand même. Bien, hein, ça bien. Fait quelque chose, c'est quand même moi qui l'ai lancé. Ah, faut pas l'oublier, ça. Les gens, ils disent, ouais, Fugain, tout ça, mais sans Severino, c'est moi qui étais quand même un petit peu mis le pied au... Ouais, ouais, c'est vrai, à l'étrier. À l'étrier, oui, pardon. Est-ce que la vie a déjà chanté sans Severino? Oui, non. Non, je crois non, pas. Bah voilà, c'est une première aujourd'hui sur le plateau de Chalet. J'ai jamais entendu une imitation. Ouais. Ça va, frère.
Tu m'as pris ma boucle d'oreille, toi tu l'as mis en verre. San Severino, ça sonne comme une ville du Brésil. Allez! À la place de prendre ma place, à ma place, j'aurais dû vouloir m'asseoir côté couloir pour pouvoir. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais celle s'est assise à côté de moi. Cette conne m'ennuie, cette conne m'ennuie. Comme quoi ? Avec une mise en place aléatoire. Comme quoi, la voix de Lavilliers, elle se prête bien aussi aux chansons de San Severino. En tout cas, Didier, j'ai embauché. Merci beaucoup. Embaucher Didier, oui, bien sûr. Mais il est très près, Didier, parce qu'il est au théâtre avec Le siècle sera féminin ou pas. C'est au théâtre du Gymnase. Et puis, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et en janvier 2010, une tournée dans toute la France avec une autre pièce qui est Adam et Ève, qui a beaucoup de boulot. Ça va être dur. Il faut le booker sur la tournée 2012. Je prendrai Lavilliers s'il n'est pas libre. Merci beaucoup Didier. Maintenant, tu vas laisser ta place à Benjamin Locoche, puisqu'une fois par mois, dans un partenariat avec Paris Match, nous vous proposons de découvrir un nouvel artiste sur lequel nous avons tous craqué. Voilà Benjamin Locoche pour vous présenter cet artiste. Avec Paris Match, donc Benjamin, une fois par mois, nous choisissons un jeune artiste sur lequel on a envie de mettre un coup de projecteur. Et cette semaine, c'est Carmen Maria Vega. Ouais. Vous connaissez Carmen Maria Vega ? Oui, moi. Oui, ah, la reconnaît. C'est assez remarquable. Oui, copine. Ah bah oui, parce ah oui, que quand carrément. Même. Alors. Il y a comme un petit, comment dire ? Vous seriez presque cousin, non, musicalement ? Oui, c'est ça, une espèce de familiaritude. Oui. Carmen Maria Vega, c'est une jeune chanteuse de 25 ans. Elle est entre le jazz, le swing et la chanson populaire. Mais très elle a goyeuse. Un côté très féroce. Elle a des comptes à régler avec elle-même, elle a des comptes à régler avec les hommes, donc elle a un côté punk. Donc voilà, son disque sort là, ça fait 4 ans qu'elle tourne, elle a enfin trouvé une maison de disques, elle est sur scène en ce moment, et je crois qu'on va beaucoup entendre parler d'elle. Et on va écouter tout de suite un extrait de sa chanson qui s'appelle « Menteuse », regardez. Bah moi je mens passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent. Je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs elle a pas une si grosse. Enfin j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus les pas si beaux. À mes amis rien que je mens. À mes amants j'ai tout appris. Finalement me disait Johnny que je t'aime. Toi t'as du talent hein. Amour. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elle se le dit, elle a du talent. Et c'est vrai, Michel. J'avais entendu. Ouais. Ça s'appelle Menteuse. Donc elle sera l'invitée le 6 décembre prochain de Shabada aux côtés de Pierre Perret et de Patrick Fiori. Merci en tout cas, Benjamin. Benjamin Locoche, donc. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. C'est un extrait de l'album Les Faux Talbins. Les Faux Talbins, c'est les faux billets, en fait. Oui, les faux biftons. Oui, il sera sur scène au Bataclan à Paris du 3 au 6 janvier 2010. Et c'est tout de suite dans Shabada, San Severino, avec Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Il pleut des cordes encore et encore comme hier et puis comme demain. L'hiver cette année va finir assez tard, peut-être même au début du mois de juin. Les siècles passent, les vieilles douleurs restent et le nombre des chômeurs progresse. En gros, tout va mal, mais le pire c'est toi. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Hey, tu n'en as plus rien à foutre de moi. De fricadelle pour t'oublier. Je compense d'un côté, c'est l'évident transfert de la saucisse à culpabilité. Je tourne en rond comme une vieille
dynamo perché sur un vélo rouillé. Oh, ça grince, ça grince, ça grippe. Et je vais te dire pourquoi tu n'en as plus rien à foutre de moi. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Et plus le temps passe, plus je suis avide de nouveaux amis. C'est psychorigide. Oh, leur monomaniaquerie, leur tic, j'en suis pas dupe. Me rendre falamé, ça m'occupe. À 5h du matin, Paris s'éveille et il fait noir. Et les chiens des voisins chient sur les trottoirs. On se croirait dans la rue, entre nous, ça pue. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Hey, tu n'en as plus rien à foutre de moi. Ni rock'n'roll, ni swing ou 50 rockabilly or whatever you want. Je n'aime plus le scat, ni le slam, ni le jazz, ni le pop. Oh. Le seul truc vraiment pour moi qui swing, qui balance, c'est un pendu sur sa potence. Oh, je me demande si je vais pas m'emmerder un petit peu dans tes bras. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Et tu n'en as plus rien à foutre. Non, non, plus, on a foutre de moi, c'est le premier extrait de son nouvel album donc, qui s'appelle Les Faux Albins. Vous pouvez retrouver les très belles photos d'Yves Montand que vous avez vues dans cette émission, mais aussi toutes les stars du cinéma dans ce très beau livre du studio Harcourt de Françoise Denoyel. À la semaine prochaine, bonne fin de soirée et retrouvez-nous en rediffusion le mardi soir, juste après ce soir ou jamais, aux alentours de 9h10.